La cabale ne se cache plus dans les églises. La magie ne se cache plus dans les églises. Tous ces influenceurs que vous voyez, la plupart d'ailleurs, ce qu'ils vous enseignent, c'est le secret. D'ailleurs, suivons un petit extrait de comment l'un des deux invités dans cette émission abominable d'Impact Finance, qui introduit ingénieusement, malicieusement, les principes magiques ésotériques du secret. Suivez vous-même. Non, attends, moi j'ai une question avant qu'on parte. Ok, d'accord, vas-y. Tous ceux qui veulent devenir milliardaires, ouais. On est avec Philippe Simon, ouais. On est avec l'homme qui a quatre cerveaux. Si tu devais, nous donner un seul secret, une seule technique pour atteindre la liberté financière, ça serait quoi? Ça serait investir sur soi-même. Ok. Est-ce que tu peux développer juste un peu? Oui, bien sûr. Comme j'aime souvent le dire, je peux tout perdre aujourd'hui, je n'ai aucune inquiétude pour rebâtir parce que ma richesse la plus importante, c'est pas l'immobilier, c'est pas les voitures, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que pour devenir riche, il faut qu'ils aient des choses, il faut qu'ils possèdent des choses. En réalité, l'argent, c'est quelque chose qu'on en attire à soi. Quelque chose après lequel on court, Quand tu as compris comment ça marche, peu importe là où on te place, va l'attirer à toi. Là, pourquoi que tu ailles aux États-Unis ou même dans un petit village en Côte d'Ivoire, tu vas toujours trouver quelqu'un dans ce petit village qui est très pauvre, qui lui s'en sort économiquement mieux que tout le monde. Lui qui a la petite boutique, lui qui a le petit commerce, ainsi de suite, qu'il a compris comment fonctionne là. Wow. Donc, je pense que ce que les gens doivent travailler s'ils veulent aller très loin dans le domaine des finances, travailler à eux-mêmes devenir des personnes qui vont attirer l'argent. Investir sur soi. Voilà, mes frères. Voilà les principes du secret. Cette vidéo ésotérique abominable qui apprend aux gens les principes sataniques. La magie de la sorcellerie. Voilà comment ce monsieur vous dit la plus grande richesse, elle est dans votre intelligence, elle est dans votre cerveau. Attirez à vous tout ce que vous voulez. Et c'est le principe justement du magnétisme, d'éléments. C'est-à-dire qu'il vous enseigne à transformer votre intelligence en immense aimant qui attire tout, prospérité, etc. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'il y a derrière. Le secret, c'est de la sorcellerie que ces gens enseignent. Voilà ce jeune homme qui, de manière très brève, l'homme à qui on attribue quatre cerveaux, mais le cerveau de Satan, qui a besoin de délivrance, qui n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien, ce jeune homme qui a été invité chez ICC. Ce jeune homme qui a été invité à ICC, n'est aucunement un chrétien. Il a besoin de délivrance, de l'amour de l'argent. Il a besoin de connaître l'évangile du salut. Voilà comment il est reçu chez Ivan Castanou, cette télévision abominable d'Impact Finance avec l'arbre de vie. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ce n'est pas par hasard qu'il a été invité. Ils savent pourquoi on l'a invité. Il n'est pas chrétien. Je ne raconte pas des histoires. Je ne raconte pas des bobards, je ne fais pas de la calomnie. Lui-même dit qu'il n'est pas chrétien. Il y a une des vidéos sur son site où il dit qu'il est kémite. Kémite. Révélation, je suis kémite. Je vous explique pourquoi. Et sur le thumbnail, comme on dit en anglais, l'image de publication, qu'est-ce que vous voyez? Les symboles magiques égyptiens. Il n'est pas chrétien. Lui-même, il y a 2 ans de cela, il révèle que, voilà, il est kémite. Et les kémites, c'est la nouvelle religion des Africains, des africanistes qui rejettent tout ce qui est lié à Jésus-Christ.
C'est aussi une autre branche du satanisme, du luciférianisme. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous avez vu des vidéos certainement par le passé qui vous ont choqué. Ces Kémite ou Kamite qui brûlent des Bibles. Après ce numéro inqualifiable, l'hôte de l'Église des Noirs en Afrique, soutenu par les siens, s'adresse à l'assistance en ces termes. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard qu'il a été invité par ICC? Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cet homme qui a été invité chez ICC. Il n'y a rien de chrétien derrière ICC. Vous qui êtes abonné à ICC TV ou Impact Finance, peu importe tous leurs réseaux, leurs applications, etc., désabonnez-vous, désactivez-vous. Parce que vous êtes associé à l'astrologie, à la démonologie, à l'angélogie. Parce que derrière la Kabbale, derrière l'arbre de vie de la Kabbale, non seulement il y a l'astrologie, comme je vais vous le démontrer, il y a la démonologie, le culte des anges, l'angélogie, il y a la nécromancie, bref, c'est la rébellion contre Dieu au travers de la magie, au travers de ce que Dieu déteste. Il n'y a rien de chrétien. Voilà la boule de cristal qui sera divinée. Et on va voir les grandes choses. Je vais entrer en détail dans quelques temps sur les différents points, les 10 points de cet arbre de vie. Les 10 séphirotes. Les séphirotes, c'est les 10 points de la Kabbale juive. Je vais entrer en profondeur et montrer chaque démon qu'on invoque qui est derrière cet arbre de vie. Je montrerai chaque démon. Et chaque démon a un nom. Et les castanets et autres les invoquent ces démons dans leur prière. Devant la boule de cristal. Les castanets invoquent ces démons. Nuit et jour, les castanets invoquent ces démons. L'arbre de vie de la Kabbale juive est représenté par 10 séphirotes. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et chaque séphirote est associé à un démon qui transmet des énergies. En fait, les énergies circulent entre ces différentes séphirotes. C'est pour ça que vous voyez sur le logo mur, dans cette émission, l'arbre de vie, il y a des connexions entre ces séphirotes. C'est des boules. Ces boules sont des séphirotes. Elles sont interconnectées. Et chaque séphirote est associé à un démon. Je vais expliquer ça dans quelques instants, soyez patients. Chaque séphirote est associé à un démon. Et ils invoquent ce démon. Donc, ce n'est pas surprenant que les castanets et autres dans leur maison ont des boules de cristal devant lesquelles ils se prosternent pour invoquer les démons. Vous les voyez dimanche. Comme Castanou, ses poumons avec le micro, vous avez l'impression qu'il loue Dieu. Il ne loue pas Dieu. Et voilà justement une boule de cristal qui apparaît dans le générique de cette émission. Et parlant de boule de cristal, le démon du zodiaque et la boule de cristal est ce qui influence ICC et les Castanou. Voilà. Le démon du zodiaque et de la boule de cristal est ce qui influence Castanou. Est-ce que vous le saviez? Incroyable!
très rapidement, dans le générique, une boule de cristal apparaît. La boule de cristal est associée à un démon de divination qui est derrière le zodiaque, qui est derrière l'astrologie. La boule de cristal est associée à la cabale juive. Non, ce n'est pas la franc-maçonnerie, la cabale juive. Et aussi à l'hindouisme et au bouddhisme. Tout cela est lié. La boule de cristal et de comment on s'en sert. Alors, moi, je vais vous montrer trois modèles que j'ai. Entre autres, j'en ai d'autres. L'énergie, la pureté, grâce à l'eau, donc grâce au minéral, et des propriétés ésotériques qu'on peut recréer à partir de l'eau et de son effet miroir, donc l'effet réfléchissant que la boule apporte pour faire des, voyances comme la cristallomancie. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un miroir ou avec un verre rempli d'eau. Je vais vous présenter aujourd'hui la boule de cristal. Donc la boule de cristal, ben, les vrais voyants, en fait, normalement, n'utilisent pas une boule en verre. Et en fait, en vous concentrant sur la boule, en théorie, il faudrait vous mettre dans une pièce obscure et avec une bougie par exemple à côté. Donc en mettant la bougie, celle-ci va se refléter sur la boule. Et en fixant la boule, si vous mettez la photo de quelqu'un ou que vous vous concentrez sur une question, normalement, c'est pas évident. Moi, j'arrive pas à détonner. Je vous le dis, je suis pas champion. J'ai pu apercevoir quelque chose, mais bon, c'est pas mon truc préféré. Mais bon, je le présente parce que pour le présenter, voilà. Une espèce de lueur blanche, blanchâtre, et qui va vous donner une réponse par rapport à une forme. Donc, ça va vous faire comme quand vous fixez la lumière, une espèce de forme, et cette forme-là, ça vous donnera votre réponse. Il faudra interpréter la réponse par rapport à cette forme. Je vais vous parler des boules de cristal. Vous avez les boules en cristal de roche comme ceci. Donc je vous expliquerai comment on choisit une boule de cristal. Vous avez également les boules de cristal un peu plus communes en verre comme ceci. Toutes transparentes. Donc après, une fois qu'elle sera en votre possession, il va falloir la recharger. Pour la recharger le mieux, il faut déjà la recharger de son énergie, mais c'est bien de la recharger à l'énergie lunaire. Donc on dit que le cristal de roche aime l'énergie solaire. Il a fallu quand même que je passe par la méditation pour pouvoir me servir convenablement de cette boule de cristal. Et alors après, j'ai trouvé un oracle très intéressant, l'oracle de l'arbre de vie. Donc je trouve qu'il va très bien avec le support de la boule de cristal. Vous voyez, vous avez des mots-clés en haut et le nom de l'arcane en bas. Donc, c'est un oracle que je trouve qui est très parlant. Il ne loue pas Dieu. La Shekinah, on vous a montré dernièrement comment il invoque la Shekinah, comment il loue la Shekinah, comment il invoque la Shekinah. D'ailleurs, recevons encore cet épisode où il loue la Shekinah, qui est le démon mâle et femelle de la cabale juive. En passant, pour bien comprendre l'émission d'aujourd'hui, je vous encourage à aller suivre deux émissions précédentes. La première émission, c'est l'évangile franc-maçonnique de Yvan Castano, d'ICC, mise à nu des lois mentales. Vous entrerez encore en profondeur dans les choses que je développe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un autre aspect où j'exposerai chacun des démons sur ces séphirotes qui sont dans l'arbre de vie de la cabale juive qui est projeté dans cette émission d'Impact Finance. Mais il y a donc deux émissions que vous devez suivre. L'évangile franc-maçonnique de Yvan Castano, d'ICC mise à nu, les lois mentales. Ça, c'est une émission que nous avons faite il y a 10 ans. Et la deuxième émission, c'est Révélation choquante sur la chute de l'écran géant lors de la croisade de Castano Tunassi à Kinshasa, au Congo RDC. Donc, voilà comment Castano fait de l'astrologie.
il invoque les démons. Ce n'est pas surprenant, non, comment en pleine assemblée, il chante la Shekinah. Mes frères et sœurs, suivez vous-même. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Terrible. La Shekinah, c'est le dieu mâle et femelle de la Kabbale juive. Même les juifs, les rabbis, le montrent. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'église, et ce n'est même pas scriptural. Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale, et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Donc, revenons sur ce jeune sur votre écran qui avoue être un kémite ou un kamite qui croit aux divinités ancestrales africaines et au pouvoir des pharaons en Égypte. Ce monsieur est invité chez ICC et la vidéo que vous venez de suivre, c'est le secret qu'il expose. D'ailleurs, j'ai été inspiré à aller sur son site. Je ne savais vraiment pas qui était véritablement ce monsieur, ce jeune homme. J'ai été inspiré d'aller sur son site. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Presque toutes les vidéos parlent de manière subtile, subliminale, du secret. Secret des milliardaires africains sans diplôme. Le secret des juifs pour être riches et dominer le monde. Les 7 secrets des juifs pour être riches et dominer le monde. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant qu'on revienne sur la vidéo de ce jeune homme fondée sur le film Le Secret. Parce que partout c'est Le Secret, on va voir cela. Alors, j'ouvre cette parenthèse parce que qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est le secret des juifs pour être riches et dominer le monde. Il y a un constat qui ressort, même avant de faire cette émission d'aujourd'hui, c'est que il y a tout un mouvement de judaïsation des Africains. Vous voyez ces faux pasteurs qui organisent des pèlerinages, des croisades, des voyages sur le mur de Jérusalem. Et il y a une émission que nous avons faite précédemment, comment le mur de Jérusalem
C'est le veau d'or de la fin des temps. Vous voyez les musulmans qui vont se prosterner devant le mur de Jérusalem, les occultistes, les grands politiciens, des francs-maçons, des animistes, des prêtres vaudous qui vont se prosterner devant le mur de Jérusalem. Il y a donc cette mouvance internationale, cette vogue de voir les Africains se judaïser, vouloir imiter les Juifs, vouloir creuser le mystère de la richesse des Juifs, vouloir prendre part à ces mystères qui, soi-disant, donnent la richesse. En fait, nous allons voir les démons qui sont derrière, associés à chaque séphira ou chaque séphirote de l'arbre de vie, de la Kabbalah ou l'arbre de mort. Sept secrets des Juifs pour être riches et dominer le monde. Les Juifs eux-mêmes enseignent ces secrets. Les Juifs eux-mêmes enseignent ces secrets. Nous allons flouter pour cacher les noms. Voilà, le secret de la réussite. Nous allons flouter parce que nous n'aimerons pas que vous allez suivre ces poisons. Voilà ce Juif qui fait 6 avec le signe de sa main. Secret des Juifs pour être riche. C'est des rabbins, eux-mêmes, ils enseignent ces secrets. Donc, ce que ce jeune enseigne, qui a été reçu par Impact TV, c'est la Kabbale juive. C'est la Kabbale juive. Vous voyez? Prospérité, secret de réussite. Voilà les Juifs eux-mêmes qui enseignent cela, qui enseignent des rabbins, des grands maîtres ésotériques, des grands magiciens, astrologues, nécromanciens, juifs, vous enseignent comment être riche. Et voilà ce que la plupart des Africains embrassent. Les pasteurs, les influenceurs qui n'ont rien à voir avec les pasteurs. Donc, nous venons de voir, à l'occasion de cette émission infâme d'Impact TV, que les influenceurs ou motivateurs ont quelque chose en commun avec les faux pasteurs comme Ivan Cassano. Ils ont quoi en commun? L'amour de l'argent, la possession par Mammon. Mammon, c'est la principauté démoniaque qui amène les gens à être possédés par l'argent, être prêts à vendre leurs âmes. Ils ont la gloriole pour un temps, après ils meurent. Et nous allons vous montrer les démons de l'arbre de vie, la Kabbale juive, qui entraînent la mort prématurée de ces gens, de ces influenceurs qui font des pactes à Satan, qui font des pactes avec Satan. Donc, partout, c'est les secrets. C'est le secret des Juifs pour être riches et dominer le monde. Vous voyez, secret de la réussite en 45 secondes. Le plan secret des BRICS pour détruire le dollar et l'Amérique. Tout, c'est le secret. Le secret de la richesse que seuls les milliardaires connaissent. Secret d'entrepreneur avec Kelly Massol. Bel secret, voilà. J'ai payé, etc. Vous voyez, avec une autre influenceuse. L'amour de l'argent est l'une des manifestations des prophéties de la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Voilà, les faux pasteurs dimovores, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire vantards, orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, etc., etc. La Bible dit que nous devons nous éloigner de ces gens. Voilà. Verset 5, ayant l'apparence de piété, comme Castanou, vous avez l'impression qu'il adore Dieu, loue Dieu, alors qu'il y a une abomination derrière. Verset 5, 2 Timothée chapitre 3, verset 5, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Que dit le Saint-Esprit aux vrais chrétiens? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, sœur en Christ, ou frère en Christ, chrétien qui prend ton salut au sérieux, fuis les faux pasteurs, les influenceurs, les motivationneurs ou motivateurs qui vous amènent à rechercher à être riche. En fait, ils vous donnent la crise cardiaque.
Ils n'ont pas la paix. Moi, j'ai pitié de ce jeune homme qui est sur votre écran. Il n'a pas la paix. Si ce jeune homme était sérieux et honnête, il vous dirait qu'il il dort peu. Il n'a pas l'appétit. Tout c'est l'argent. Comment avoir de l'argent? Comment rendre son compte bancaire gras? Comment devenir influent? Comment amasser? La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ce n'est pas possible d'être rassasié par l'argent. J'étais 100 dollars devant Donald Trump. Faites un prank à Donald Trump. J'étais 100 dollars. Vous mettez une caméra cachée. Donald Trump va regarder, va ramasser les 100 dollars. Mettez 10 dollars même devant Bill Gates. Vous faites un prank. La piste où Bill Gates passe tous les matins pour faire son jogging. Mettez 10 dollars. Et mettez une caméra cachée. Il va ramasser les 10 dollars. On n'est jamais rassasié par l'argent quand on aime l'argent. Ceux qui aiment l'argent, leur intelligence est comme un abîme sans fond. Donnez-leur tout l'argent du monde. Donnez-leur tous les billets de banque, de toutes les réserves fédérales, les banques centrales, les banques nationales, de tous les pays du monde entier. Donnez-leur tout l'or de la Chine, tout le diamant de la compagnie BS en Afrique du Sud. Ils ne seront pas rassasiés. Voilà ce qui se produit quand on a l'amour pour l'argent. Un vrai chrétien ne cherche pas à se tourmenter pour s'enrichir. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il y a quelqu'un qui ment. Mais je sais que mon Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Ces gens qui vous prêchent à être riches, ils vous livrent des mots. Ils vous prêchent la crise cardiaque. Ils vous prêchent les insomnies. Ils vous prêchent le manque de paix, le manque de sommeil, le manque d'appétit. La Bible dit que le salaire du pauvre est agréable. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas si vous avez un toit. Vous pouvez vous vêtir convenablement. Vous pouvez vous déplacer. Vous avez une maison, un toit qui vous abrite des intempéries. Vous avez un matelas sur lequel vous couchez. Vous avez votre maison. Mais les gens qui veulent s'amasser, voir comment ils ont eu des milliards. Et leur vidéo, c'est quoi? L'homme le plus riche de tel pays. L'homme le plus riche de tel pays. L'homme le plus riche de l'Amérique. L'homme le... Tout cela. Venez dans ce pays, les États-Unis, et vous allez voir comment les riches sont malheureux. Peut-être si on a le temps, on va vous faire suivre les dernières paroles d'agonie de Steve Jobs sur son lit d'hôpital. Les paroles d'agonie. Il était sur le point de mourir. L'homme qui a inventé, entre guillemets, iPad, iPhone, le MacBook, qui est mort en laissant un grand yacht. Ces influenceurs pensent qu'ils ont leur vie entre leurs mains. Si Dieu bouchait la source qui leur donne le souffle dans leurs narines, ils s'étaleraient. La plupart des influenceurs sont morts. Ma prière, c'est que ce jeune sur votre écran se repente et connaisse le vrai évangile. J'espère qu'il n'est pas tard pour lui. J'espère qu'il n'a pas pris le chemin satanique de non-retour. J'en parlerai dans quelques instants, le chemin satanique de non-retour. Les castanets et autres ont pris ce chemin. Mais j'espère que ce jeune homme n'a pas pris ce chemin satanique, démoniaque de non-retour. Qu'il peut gagner sa vie honnêtement, avoir son métier, faire ses affaires honnêtement, mais ne pas chercher à être riche. Tout ça, c'est pour la cupidité, pour se faire voir, etc. Et je disais à l'enseignement de dimanche, et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons les enseignements par Zoom, où les vrais chrétiens se réunissent pour écouter la parole de Dieu qui change leur vie. Je disais que les vrais riches ne font pas le bruit. Vous voyez les gens aujourd'hui sur Internet, voilà ma nouvelle maison, voilà ma villa, etc. Avez-vous déjà vu Zuckerberg ou le fondateur de YouTube où ils postent leurs vidéos, ou Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook où les gens postent les vidéos, ou font les lives? Avez-vous déjà vu Zuckerberg venir vanter sa richesse, venir montrer qu'il est riche? La Bible dit, tel fait le riche et manque de pain. Mais celui qui fait le pauvre
a les grands biens. Un riche n'a pas besoin de venir dire qu'il est riche, de faire les séminaires, les conférences, d'être riche. Et ces influenceurs vont encore vous faire payer les séminaires. En fait, c'est eux que vous enrichissez. C'est eux que vous enrichissez, exactement comme les Castanos. Exactement comme les Castanos, c'est eux que vous enrichissez. Les Wafo, Castanoun, Tengue, Masolo Chinasi, ils vous font payer des croisades, des séminaires, des soirées de gloire au Zénith. On va revenir en passant sur soirée de gloire, qui est une manifestation de l'arbre de vie de la Kabbale. Il y a une séphira ou une séphirote qui est associée à la gloire. Donc ce n'est pas par hasard quand vous voyez ces pasteurs faire les nuits de gloire, il y a tellement de choses que vous allez voir. Soyez patient tout simplement. Vous voyez, ils font des séminaires payants. Je parle des faux pasteurs. Et même ces influenceurs aussi vous invitent au séminaire où ils vont vous montrer leurs secrets. Ils ont étudié les livres ésotériques par cœur. Ils ont mémorisé toutes les phrases du film Le Secret. Et viennent vous les répéter. Et vous êtes épatés. Et vous les suivez pour votre propre ruine. Yves Castanou a enseigné mot par mot. Nous avons juxtaposé les paroles du film Le Secret avec celles de Castanou, Yves Castanou. Il reprend mot pour mot, incroyable. Alors, retournons sur la page YouTube de ce monsieur qui ne parle que de secret, secret, secret. Alors, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Secret des entrepreneurs qui réussissent. Donc, tout c'est le secret. Devenir riche n'est pas magique. Ça, c'est faux. Nous allons lui démontrer. Il sait de quoi il parle. Il sait que c'est magique. Il sait, mais il ne peut pas vous le dire. C'est plus tard qu'il va vous le dire. Trois secrets sur l'argent, etc. Voilà le secret du succès de Kanye West. Kanye West qui a tué sa mère, qui a sacrifié sa mère lui-même. Il le dit, et aujourd'hui, Kanye West est fou. Tout le monde ici aux États-Unis sait que Kanye West est fou parce qu'il a sacrifié sa mère. Lui-même, il fait une vidéo. Il a fait un clip intitulé 666, intitulé 666. Où il dit, I sold my soul to the devil. J'ai vendu mon âme au diable. 666, 666. Il y a un clip là-dessus. Et voilà Kanye West, qui est aussi dans la cabale juive, qui est pris en exemple par ce jeune homme qui a été invité par ICC. Tous ces grands de Hollywood, ces grands de ce monde, ils ont fait des pactes avec Satan. Voilà, voilà, tout c'est le secret, les 10 clés secrètes. Et parlons de secrets. Nous, chrétiens, nous savons que la parole de Christ n'est pas secrète. Le film Le Secret est contraire à l'Évangile. La page Facebook de ce jeune homme est contraire à l'Évangile. Pourquoi? Sur la base de Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 16, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. La parole ou la lumière de Jésus-Christ n'est pas secrète. Tout le monde voit. Verset 17. Car il n'est rien de caché qui doit être découvert, rien de secret qui doit être connu. Donc, quand il y a des choses secrètes que seuls des initiés doivent connaître, c'est démoniaque, c'est satanique. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas secret. Donc, quand vous voyez secret, 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 il y a un problème. Allons dans Luc chapitre 11, verset 33. Luc chapitre 11, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Voilà, lieu caché, lieu secret.
Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent dans la maison, ceux qui entrent, voient la lumière. Voient la lumière. Voilà, mes frères et sœurs. Et vous avez aussi le chapitre 12, Luc chapitre 12, qui dit « Il n'y a rien, rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. » C'est pourquoi tout ce qu'on vous dit, ça c'est Luc chapitre 12, verset 3, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quand les pasteurs vous enseignent, les influenceurs encore, il n'y a pas de problème, ils ne connaissent pas Dieu. Et si je parle même de ce jeune homme, c'est de manière incidentale, c'est de manière accessoire, parce qu'en fait, c'est Castano que je dénonce. Et je suis choqué que ceux qui pensent que Castano est un pasteur, mais qui s'associe à un autre kabbaliste, à un kémite, pour faire des émissions de motivation financière, d'influence financière, c'est terrible. Alors, terminons sur quelques autres aspects, mes frères et sœurs, de cet homme. Justement, qu'est-ce qu'on voit là? De secrétaire à milliardaire, c'est le secret de la femme la plus riche du monde. Une femme qui est plus riche qu'Oprah Winfrey. Voilà donc comment ce monsieur prend Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus riches des États-Unis ou du monde, pour modèle. Et dans quelques instants, vous allez suivre une vidéo où Oprah se moque de Dieu et insulte le Seigneur Jésus-Christ. Il se moque de Dieu et insulte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà des personnes qui ont tourné le dos à Dieu, qui ne font aucun cas de Dieu, qui pensent qu'ils sont devenus justement eux-mêmes Dieu, comme la Kabbale l'enseigne. Ils ne font aucun cas de Dieu. Et les voilà qui sont les hommes les plus riches du monde. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché, c'est-à-dire sans succomber à la tentation. Allez lire Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Satan montre toute la richesse de la terre, toute la gloire. Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Si tu m'adores, le Seigneur Jésus a résisté, a dit, rien de moi Satan, tu ne me séduiras pas par tes richesses. Un vrai chrétien doit marcher sur les traces de Jésus-Christ. Si vous voyez un chrétien commencer à être séduit par les richesses, il a fait naufrage par rapport à la foi. Nous devons être insensibles à la richesse. Nous nous suffisons de ce qui est nécessaire pour notre entretien, l'entretien de notre maison, de nos enfants. Et peut-être avoir de côté pour nos vieux jours. Et j'encourage les jeunes gens à mettre de côté, de ne pas manger tout leur salaire, de mettre de côté. C'est sage, même la Bible nous enseigne cela. Mais vouloir s'enrichir, ce n'est pas un standard de chrétien. Si vous voulez suivre les gens qui vous amènent à l'enfer, suivez-les. Mais je prêche pour ceux qui recherchent vraiment à être sauvés et aller au ciel. Donc voilà quelqu'un qui prend Oprah Winfrey pour exemple. Et ce n'est pas par hasard. Oprah Winfrey a été invitée par Joel Osteen, l'un des pasteurs kabbalistiques des États-Unis, qui atteint le haut sommet de la pyramide de la Kabbale juive, outre de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Joel Osteen, comme les Américains appellent Joel Osteen, Oprah est invité chez Joel Osteen dans une séance de mise en pratique des exercices magiques de la Kabbale juive. Suivez-vous-même. Vous savez, je déclare que si vous faisiez des déclarations pendant 31 jours, votre vie changerait. C'est pour ça que tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Un jour par mois, et vous savez, vous pourriez continuer à les faire, mais c'est un bon début. Vous pouvez regarder l'intégralité du sermon « Je suis » du pasteur Joel. Nous l'avons sur Oprah.com. Dernière pensée de vous, pasteur Joel.
Eh bien, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas dire des mots négatifs sur vous-même, sur votre famille, vous savez. Cela peut vous venir à l'esprit, mais ne donnez pas vie à vos mots en les prononçant. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même. Vous pourriez le penser, mais vous savez, taisez-le et faites des déclarations positives. Cela prend du temps, parce que la fois où j'ai entendu le sermon « Je suis », je vous dis ce qu'il a fait, et j'espère que c'est ce qui va arriver à vous tous qui regardez, qui êtes ici, si vous commencez à vous rattraper. Parce que, vous savez, quel que soit votre âge, vous avez l'habitude de vous gaver d'audio négatif, mais moi aussi. Ainsi, lorsque vous vous surprenez à le faire pour la première fois, vous le changez, et cela demande de la pratique. C'est pourquoi je déclare cette déclaration pour vous aider à mettre en pratique. Absolument. Ce n'est pas quelque chose à faire quand tu sors en public. Tu te lèves le matin, tu prends une douche, tu conduis pour te rendre au travail. Tu sais quoi, Seigneur? Merci, je suis fort. Je prends de bonnes décisions. Je suis en bonne santé. Juste des choses simples comme ça. J'attends mon avenir avec impatience. J'attends mon avenir avec impatience. Pourriez-vous nous présenter quel que je suis aujourd'hui? Absolument. Pouvons-nous rester debout? Très bien. Répétez après moi. Je suis fort. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis confiant. Je suis confiant. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis talentueux. Je suis talentueux. Je suis créatif. Je suis créatif. Je suis discipliné. Je suis discipliné, je suis concentré, je suis concentré, je suis précieux, je suis précieux, je suis belle, je suis belle, je suis béni, je suis béni, je suis excité pour mon avenir, je suis excité pour mon avenir, je suis victorieux, je suis victorieux. Très bien. Que diriez-vous d'un amen? Terrible. Voilà la voie large dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que sont devenus les soi-disant églises ici aux États-Unis. Tous les dimanches, les femmes qui sont habillées comme les prostituées avec la poubelle sur les faux cheveux qu'on sacrifie aux démons qui viennent de l'Inde. On passe le temps à confesser, de faire des confessions positives. Qui ne sait pas que John Austin ici aux États-Unis, c'est un grand franc-maçon? Même les gens du monde, c'est même les non-chrétiens qui ont le discernement plus que les chrétiens. Donc voilà Oprah qui est pris pour modèle par cette jeune invitée de Castano. La salle remplie de personnes pleines de cupidité. En fait, les faux pasteurs, cupides, vampireux, escrocs, sont la punition de Dieu. Ces gens qui sont dans la salle ne savent pas que, en fait, les Joel Osteen, T.D. Jakes, Kenneth Copeland et la bande des criminels Benny Hinn, criminel évangélique et vampire évangélique, Benny Hinn qui fait le Kundalini, outre la Kabbale juive aussi, Benny et autres, tous ces pasteurs, superstars, milliardaires, ils sont nombreux au Nigeria, je les dénonce depuis des années. Il y en a même un que j'ai dénoncé depuis des années, qui est mort récemment, Tibi Joshua, l'un des pasteurs les plus riches, il a laissé ses milliards. Voilà mes frères et sœurs, tout ça c'est passager, voilà la voie large. Peu, très peu, sont ceux qui ont trouvé l'évangile pur et original de vie que je vous enseigne. Tout ça c'est les déclarations, et vous avez vu, cette sorcière d'Oprah, elle fait partie d'une organisation qui fait venir des moines hindouistes ou bouddhistes pour se concentrer dans des grandes salles ici aux États-Unis. 24 heures sur 24 heures, ils doivent prier des énergies sur les États-Unis. Je crois que j'avais dénoncé ça il y a 10 ans ou 9 ans ou 10 ans. Elle fait venir des gens qui se concentrent pour prier, pour invoquer les énergies sur les États-Unis, en fait, attirer les démons. Ils ont le visa américain facilement et finalement, ils viennent ici, on leur donne la nationalité plus tard. Leur travail, c'est 24 heures sur 24 heures,
Ils sont assis dans les positions, dans les chakras, les positions de lotus, du yoga, les yeux fermés, en train de faire ce qu'on appelle en anglais chanting. Faire des psalmodies à longueur de journée. Respirer, aspirer, faire l'inspiration, souffler pour attirer les énergies. On pratique ce manque de Dieu. D'ailleurs, suivons quelques séquences de comment Oprah se moque de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Terrible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.